Ce mercredi 5 juillet 2023, les membres des quartiers Sikoji 1, 2 et 3 se sont réunis à la salle de conférence de la nouvelle mairie de Kumasi pour discuter des projets liés au cinquantenaire de ces quartiers. Cette réunion, dirigée par le commissaire général M. Joël Assi, alias Joe Papi, avait pour objectif de renforcer les liens communautaires et de présenter de nouvelles perspectives pour la commune. Les résidents actuels, anciens du quartier, artistes tels que Julien Gualo, était présent. La cérémonie a commencé par la présentation du projet par l'assistante du comité d'organisation. Alors, je suis ce soir présente devant vous afin de vous présenter le projet de célébration des cinquantenaires des quartiers Sikoji 2 et 3. Les quartiers Sikoji 1, 2 et 3 sont sur le point de célébrer leur cinquantenaire, qui est une étape importante de l'histoire de notre communauté. Afin de marquer cette occasion mémorable, nous proposons la construction d'un projet de célébration qui rassemblera les résidents actuels et anciens du quartier pour célébrer notre héritage commun, renforcer les liens communautaires et rendre hommage à notre histoire. Alors, quels sont donc les objectifs de ce projet? Ce projet consistera d'abord à célébrer les cinquantenaires des quartiers Sikoji 1, 2 et 3 en organisant des événements commémoratifs significatifs. Aussi, dans le but de rassembler les résidents actuels et anciens des quartiers pour favoriser les échanges intergénérationnels et renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté. Comme troisième objectif, ce projet vise à mettre en valeur l'histoire, les traditions et la culture des quartiers à travers des expositions, des spectacles artistiques et d'autres activités. Ensuite, favoriser la participation active des résidents dans la planification et la réalisation des événements de célébration. Enfin, je termine avec ce dernier objectif, qui est de créer un héritage durable en documentant et en préservant l'histoire, les souvenirs et les témoignages des résidents des quartiers Sikoji 1, 2 et 3. Ensuite, le commissaire a donné la parole aux personnes présentes pour donner leur avis et proposer des idées pour améliorer le projet. Il est ressorti que tous étaient favorables au projet et ont félicité le travail accompli. La préoccupation, je tiens à saluer cette belle idée qui a eu lieu ce soir. Parce que depuis que nous sommes à la Sikoji, cette idée ne nous est jamais parvenue, soit sur les fesses, et puis on ne s'y fait pas. Mais compte tenu de ce que Miss Katiana vient de nous relater, j'ai ressenti beaucoup de choses qui peuvent vraiment aller dans le cadre, à l'endroit de la possibilité. Pratiquement, c'est pas moi qui avais le projet, c'était un projet qui était réfléchi déjà. Au niveau de notre quartier étrange. Après, il fallait vraiment ça élargi, parce que des fois, on avait vraiment pensé au niveau de notre quartier. Et pour moi, je pense que cette façon de faire, elle est un peu plus commode, elle est un peu plus raisonnable, et je pense que pour moi, on va rappeler cette information, ce style-là, afin que tout ce soit. Merci beaucoup, Joe Papi. Alors, je crois que les maîtres mots ce soir sont cohésion, solidarité, union. En tout cas, ce sont de bonnes choses. J'espère que ça sera matérialisé dans les actes. Et c'est deux mots de parler, il faut que ça se matérialise dans les actes. La seule personne qui a saisi la page, qui a informé la page de ce projet, c'est Joe Papi, via un message qu'il a adressé, bien sûr, au président Aïe, pour lui parler de ce projet. Bon. Le sous-initiateur du projet de 50 ans de la Sikoji est Joe Papi, reconnu officiellement par la FAGES et avec le président Franck Morin, et avec les représentants du projet aussi. Donc ce sont les deux personnes en tout cas qui ont saisi, qui ont officiellement informé la FAGES. Le musicien chanteur Julien Gualo a lancé un appel aux autorités de la commune pour qu'elles accompagnent l'événement, car cela contribuerait à promouvoir la jeunesse et à unir les populations. C'est un politique événement. Mais ça n'empêche que, mine de rien, qu'on ait dans le cas, qu'on soit.
de propos au développement de grands cycles et même à la stratégie. Donc, il faut que les délégations aillent à la vérité, lui sache qu'il y a quelque chose comme ça qui prend de l'ampleur. À la fin de la réunion, M. Joël Assi a remercié toutes les personnalités présentes ainsi que la mairie pour son travail en faveur du développement de Kumasi et a appelé les uns et les autres à la cohésion, à la solidarité et à l'union. Merci à mon cher et que j'appelle amicalement le général BCK, qui est le général BCK de la mairie, d'être présent. Donc, merci à Anna que je vois là-bas, merci à tous, toute la famille. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Je comprends qu'il y a des préoccupations ici, mais la seule réponse, c'est notre solidarité. Si nous sommes solidaires, on va trop avancer. Si les gens, il y a pas un bloc, pourtant il y a encore 4 000 gens, on a fait un bloc sans personne. La collectivité n'a pas eu le choix que de développer le quartier. Voilà. Si on fait pareil, ça va être nous ici. La sécurité, c'est un des plus beaux quartiers d'habitants. En parlant de quartier populaire, la sécurité, c'est un gros quartier. Soyons ensemble. Par où vous êtes allé voir, il y a 4000 appartements, ce que je n'en pas. Imaginez 4000 appartements, vous n'avez pas 8 personnes en parlant. Ça, c'est ce que la moyenne que je donne. Ça fait combien de mois? Si tu ne les aides pas, on ne peut pas. Or, si nous sommes en plan, c'est sûr que la collectivité viendra vers nous. Ce sera pas à nous, comme je vois certaines personnes aussi, aller faire des démarches vers la collectivité pour qu'on vienne développer leur quartier. Si nous sommes solidaires, c'est eux qui viendront vers nous. Alors, mettons ensemble, chers frères, et puis organisons-nous pour réussir cette expérience de la société. La cérémonie s'est terminée dans une ambiance amicale.